la volonté d'Hiroki Sakai, la combativité de Lucas Ocampos n'ont pas suffi. Lors de la 34e journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné à domicile contre Nantes. Cette défaite de Buzyn ressemble peut-être à celle de Troyes. Mais la déception, la rage dans le vestiaire. Se retrouve nez à nez avec l'obligation de ne pas lâcher. Quand on cadre aussi peu de tirs dans un match, c'est difficile de gagner. Après, je joue sur nos erreurs, les gars. On sait qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Après, vous savez ce qui m'emmerde, c'est qu'il marque un deuxième but à la 55e minute. Il nous reste presque une mi-temps pour égaliser. Et je n'ai pas bien vu ce sentiment de révolte. Parce que je pense que vous n'avez pas bien entendu ce qu'il vous a demandé, le propriétaire. C'est que tout le monde finisse avec un maillot blanc au départ et noir à la fin, ouvert. C'est ça qu'il faut, les gars. Il reste 12 points, on a intérêt à tous les prendre si on veut espérer finir en Europe. Ce soir, on a fait un putain de contre-performance. Entre espoir et fatalité, le choix est vite fait pour celui qui se dit compétiteur. Aussi compliquée soit la situation, les Marseillais n'ont pas le droit de lâcher prise tant que la saison n'est pas terminée. Il reste 4 matchs à disputer, 12 points à prendre. Au classement, l'OM est à 8 points du podium. Son objectif principal, à 5 points de la 4e place, pour faire aussi bien que l'an passé. Comme si cela ne suffisait pas, les Olympiens ont vu un autre concurrent leur passer devant en milieu de semaine. Vainqueur du PSG, Montpellier, qui sera le dernier adversaire de la saison, a pris la 5e place de Ligue 1. L'équipe de Rudy Garcia aborde donc la dernière ligne droite à la 6e corde. Ses chances de succès sont infimes, mais elles existent. Je sais quel club j'entraîne, on est l'OM, on a un devoir de tout donner jusqu'à la fin de saison. Quand bien même la situation est compliquée et pourrait paraître irrémédiable pour certains, mais tant qu'il y a de l'espoir, il faut tout donner. Voilà. J'aurai un œil très attentif au comportement individuel de mes joueurs. Voilà. Je veux qu'ils sachent qu'ils portent l'écusson de l'Olympique de Marseille sur le cœur et que ça donne des devoirs. Et les devoirs de finir à fond la saison et de tout donner pour son Olympique de Marseille, c'est-à-dire déjà à Strasbourg. Mais c'est comme ça sur les 4 dernières journées. C'est avec cette idée en tête que les Marseillais préparent leur prochain déplacement à Strasbourg. Vainqueurs de la Coupe de la Ligue, les Alsaciens sont loin d'être en roue libre. Ils ont récemment fait match nul contre le PSG et battu 4-0 l'une des meilleures défenses du championnat, Reims. C'est une vraie terre de foot, l'Alsace. Ce sont des gens passionnés. On sait que c'est dur d'aller jouer là-bas, justement, parce qu'il y a une ambiance vraiment... propice à l'équipe locale, donc voilà, on sait tout ça et c'est plutôt sympa de jouer un match dans ces conditions-là plutôt que dans des stades vides. Voilà, donc à nous de nous montrer à la hauteur de l'événement et à nous de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire prendre 3 points à Strasbourg. Il y a un groupe de 3. Je vais t'embêter un petit peu parce que ça va drainer. C'est ce que c'est de drainer. Ce travail-là sur le terrain, c'est bien aussi. Bah là, mieux que ça, bah là, mieux que ça, mieux que ça, bah là.
Passe de 5 mètres, précis. Serre, pas éliminé. Reviens ta lignée, attention, je pas que traverse la ligne, ouvre à droite. On va chasser. Voilà. Pour préparer le match, Rudy Garcia fait avec l'incertitude autour de Mario Balotelli et de Florian Thauvin. Si t'as besoin d'en prendre une troisième, prends-en une troisième, ok. Tu travailles sur qualité. D'accord les gars, c'est bien, les bois. Hey. Le meilleur buteur de la saison s'est blessé la veille d'OM Nantes. Après plusieurs jours en soins, il teste ses sensations à l'écart du groupe, avec l'entraîneur adjoint Claude Fichaud. Tu pars d'un tout petit peu plus loin, 2-3 mètres où il y a Seb. Tu viens fixer le mannequin et tu marques. Si tu cherches la lucarne, ça vaut 3 points. Okay. Si tu cherches en dessous, ça vaut 1 point. 10 ballons, 30 points en jeu, combien tu penses mettre de buts ou de prendre 2 points? On va dire 1 sur 2. Hein. Donc 15 points? Ouais. Ok, 15 points. Si tu fais 15 points, on est match nul. Si t'en fais 16, je fais 15 pompes. Si t'en fais 14, tu les fais toi. Ok. Tranquille après. Ça va, c'est passé en dessous. Bien, ça fait 5. Oh non! Super, 9. Allez, 9. Allez, 3. 4, 7, 8, 9, ah, tranquille, voilà. Ah, vous laissez pas déporter. Imaginez, voilà. Si tu les mets pas tout de suite, tu te mets un coup de pression parce que là, il y a moins de ballons. Mais tu sais quoi? Je pense que sans la deuxième pression, sans ta deuxième pression, je peux faire mieux que ta. Avec ou sans Florian, Dimitri Payet et les siens doivent s'imposer à Strasbourg. Une victoire en terre alsacienne pourrait entretenir la lueur d'espoir une semaine de plus. Ou la raviver avant de recevoir Lyon dimanche prochain. La saison ne se terminera peut-être pas comme espéré, mais face à la frustration, la déception et parfois la colère de ne pas y arriver. Luis Gustavo et ses coéquipiers n'ont pour l'heure qu'une réponse à offrir quand on leur oppose le fait que tout est perdu. Pas aujourd'hui. It's Mario Balotelli, you better subscribe. Click here.